Bonsoir à tous. L'actualité de ce mercredi, place à l'action. Après l'avocat Kailash Trilochan, c'est Résistance et Qu'Alternative qui passe à l'offensive contre la passation de pouvoir entre Sadj et son fils. Le parti compte loger une plainte en Cour suprême pour dénoncer la prise de pouvoir de Pravin Jugnauth. Nous avons un Premier ministre illégitime, clame-t-il. La défense s'impatiente. Maître Gavin Glover, avocat de Navin Rangoulam, réclame la radiation des charges qui pèsent sur son client dans l'affaire des 220 millions de roupies retrouvées dans des coffres-forts. L'affaire étant à nouveau renvoyée, le leader des Rouges déclare qu'il n'y a aucune preuve contre lui. Il ajoute que la poursuite essaie de gagner du temps. Première tentative, premier échec, la National Coast Guard a vainement tenté de ramener une partie du cadavre d'une baleine qui se trouvait en état de décomposition vers la haute mer. Le cadavre de ce mammifère marin a dérivé dans le lagon de Calodine ce matin. Merci d'avoir été des nôtres et bonne soirée à tous.